Bienvenue, Monsieur le ministre, qui est accompagné du secrétaire général de la grande chancellerie, le professeur Yacouba Konaté. Nous allons retourner dans ce qui fait notre identité et aussi notre dignité, la culture, l'art, l'art des tambours, l'art du chant, l'art de la danse. Il s'agit en réalité de l'ordre le plus élevé de la République. Je voudrais donc à cette cérémonie de reconnaissance de la nation, à l'endroit des acteurs de la lutte contre la vie chère dans notre pays, exprimer toute ma gratitude. Tout d'abord au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, chef souverain et grand maître de l'ordre, pour avoir autorisé cette distinction. Je voudrais qu'on puisse applaudir le chef de l'État. Je voudrais également profiter pour dire, vous savez, il y a tellement de vaillantes femmes, de personnalités qui ont contribué à tout cela. Mais nous sommes aujourd'hui, je pourrais dire, à notre première édition. Donc il était difficile de découvrir tous les acteurs. Donc pour ceux qui sont, ceux de vos amis qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, il faut leur dire que ce n'est qu'une première édition. Et si le travail qui est déjà bien fait continue, on devrait pouvoir se retrouver ici encore une fois, j'espère l'année prochaine, pour célébrer d'autres récipiendaires. Je voudrais également traduire toute ma reconnaissance Madame la grande chancelière de l'Ordre national, professeure Henriette Dagré-Diabaté. L'organisation de cette cérémonie dans le locaux de la grande chancellerie de l'Ordre national imprime une dimension toute particulière à cette cérémonie, eu égard au statut, au modèle de compétences et de personnalité qui est incarné par le professeur Henriette Dagré-Diabaté. Tous les agents du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME ici présents voudrait par ma voix traduire à Madame la grande chancelière leur profonde gratitude pour avoir bien voulu accepter d'apporter sa contribution à la réussite de cette cérémonie. Je voudrais associer à cet élan de gratitude tout le personnel de la grande chancellerie et l'ensemble de nos invités qui ont bien voulu tout à fait cessante être des nôtres l'instant de cette cérémonie. Soyez assurés que votre participation à cette rencontre apparaît pour nous comme une source supplémentaire de motivation et une invitation à consolider nos acquis dans le sens de la lutte pour la préservation du pouvoir d'achat de nos concitoyens. Honorables invités, mesdames et messieurs, nous célébrons cet après-midi le mérite de ceux d'entre vous, acteurs de l'administration en charge du commerce intérieur. Parce que également, c'est vrai qu'il y a des acteurs qui sont dans le secteur privé, dans la société civile. Mais il y a également l'administration qui est en charge, en fait, du commerce intérieur, de la lutte contre la vie chère. Donc, notre administration en charge du commerce intérieur, les femmes du vivrier,
les acteurs de la grande distribution, les importateurs dans les secteurs vétérinaires, des poissons, journalistes, ainsi que les présidents des associations de consommateurs qui se sont brillamment distingués dans l'exercice de leurs fonctions ou par leur prise de position responsable, contribuant ainsi à la préservation du pouvoir d'achat des populations et, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un climat social apaisé dans notre nation. En effet, reconnaître et célébrer le mérite des acteurs qui se distinguent par la qualité de leur travail est une expérience exemplaire de promotion.